T'aimes plus Fugit, hein, tout ça? Bah oui, quand tu regarderas ce stream, je ne serai plus. Enfin, je ne serai plus en octobre. Oui, je serai à la même période que toi, hein, dans le temps présent. Donc ce sera quoi? Probablement décembre ou janvier quand même. Et tu regarderas la suite de mes aventures dans The Beast Inside. Un bref rappel d'où on en est? Tu es sûr? Ok. C'est parti. Honey, what's going on? Why is there a... Where have you been? Where the hell have you been? I called the sheriff, but when we were in front of the house, that guy broke in. Into your office. What do you mean, broke in? Are you kidding me? Fuck! The tele... Lost. I wouldn't be so sure. Did he mention the copies? Should have thought about that before. He already knows more than we wanted him to. 3 2 D The handler is concerned. We've got a serious conversation ahead of us. Slaughtered like an animal. Fuck me, I don't get it. Who could have done this? And why? Luckily you didn't destroy them. I finally made it to the mine, but something followed me. Et donc on reprend l'aventure qui nous a quand même pas mal baladé hein, depuis 1, 2, 3, 12 épisodes, les amis. On est dans le 13e. Et du coup, bah, on va continuer d'avancer, puisque entre guerre froide, vieux conflits d'intérêts d'une génération d'avant, et puis phénomènes pas trop normaux. T'arrives juste à temps, toi. Eh ben, autant vous dire que l'histoire est quand même pas mal entremêlée, ce qui fait que même si on a l'impression que c'est très très bateau, très dirigiste, et qu'on croit en comprendre les contours, les trois entremêlées les unes aux autres, c'est un sacré bordel. Où est-ce que je me retrouve? Dans la gueule des ténèbres. Ouh là là, tout un programme. Oui, effectivement, c'est pas trop éclairé l'endroit. Et je vais aller où? Et je vais aller n'importe où. Ok. Je sais même pas où je suis, mais c'est cool. Il va y avoir plusieurs niveaux apparemment. Au secours! Donc l'intelligence voudrait que je trouve ce level 1 pour pouvoir peut-être circuler de niveau, ou ce level 4 qui peut être intéressant. Le reste, ça va être optionnel, on va dire. Et de là à dire qu'il y a un minotaure qui me soit lâché aux fesses, c'est une chose que j'ai pas envie d'anticiper, mais qui est probable. Je voudrais pas être trop festif, mais voilà. Ok, j'ai pas du tout mémorisé la map, hein, je m'en fous. On va y aller. Moins 1. Alors, pendant que vous lisez, j'en profite pour m'excuser pour la grosse voix qui est de plus en plus grave. Mais comme tout le monde, j'ai trouvé de bon aloi très malin de prendre un coup de froid. Ces tendances en ce moment. C'est beaucoup mieux que les tendances musicales. Dodo Ben? Bon. On y go. Oui, ben c'est ce qui était prévu depuis le début, donc ça va bien, gars. Tu fais me faire mal au coude, là. This baby hits 88 miles per hour. They're gonna see some serious shit.
enfin bon, ça on va pas essayer, mais c'est voilà, cul de sac, ça c'est. On ne se moque pas, alors je vais probablement passer en accéléré cette séquence. Moi pendant ce temps je fais ma musique Benny, là. C'est, vous savez c'est ma favorite pour ces moments là. Alors la rotation à l'horizontale est super lente sur ce jeu, c'est hallucinant. Deux ? Je suis pas fait exprès. Je suis désolé, on y arrive. But it's locked. Yes, there's a mechanism. And oh, what the... Il suffit de l'activer. Ok, je fais du café, qui qu'on veut. Ah, c'est du café moulu maison, les amis. Là. La qualité d'abord, toujours. Coucou. Caché. Il pourra jamais me trouver. C'est bon, ça va faire. Trace. Chuchote 9, 7, 8. Vous retenez les amis? We'll be right back.
Comme quoi, le fonctionnement cartésien basique, de base, ça marche toujours. Oula. Even death fails to grant an escape for some. Beaucoup de monde. Oui, là. Hop, et à droite la prochaine. Et je serai là où j'ai envie d'être. Voyez-vous ? Ah merde. Alors, 17, 13, 14, ok. Et vas-y, tu reprends le bout de papier, et vas-y. Hop. Prends, bouge, passe devant lui. Ah, c'est 17. Ben, c'est à 15, mais c'est pas grave. Je finirai bien par tomber dessus un jour, hein. Je vois pas où est ce damné 17. Hein. Ça viendra au père. La 13 doit être juste après. Non, pas très logique ça. Mon pote. La 17 devrait être en face. Ah, tais-toi, tu me gonfles. 17 doit être à gauche. Oh merde. Ah, c'est celle-là. Je pense que je l'ai sur ce coup-là. Oula. Est-ce que j'ai fait demi-tour? Oui. Je vérifie. Oui, oui, c'est bien la 17, ça. 17. Maintenant, il nous faut la 13. Tout en bas dans l'angle. Non, tout en bas au milieu. Ok. Il y a un petit néané que je me souhaite pas là tout de suite. Elle est là où il va, à gauche, puis à droite. Oh, quel con. Quel
Si je trace. 13. Bon, bah il nous manque plus que la 14. 13. Et là, il me laisse sans map carrément parce qu'il est trop sympa. Je veux bien, j'y travaille, mon ami. Oui, je vais faire ça bien. Voilà. Vérifie qu'il n'y a pas un petit cadeau.
Ça n'a pas servi à grand chose ce que j'ai fait, mais je suis très content de l'avoir fait en tout cas. Et je vous remercie d'être venus nombreux sur ce stream que je vais pas tarder à couper. Peut-être. Je sais pas où j'en suis dans les cuts là. Pourquoi ouvrir les deux, c'est intéressant. Bonne question. Ah. Attends, ça va. L'idée c'était peut-être pas de coincer ça, mais de ramener ce wagonnet pour péter en bas. Oui. Certainly, je peux plus te bouger là. Oh. Ok. Ah merde, c'est l'autre qu'il faut bouger. J'ai coincé les mécanismes. Purée. Monsieur K, redoutable être humain, surdoué de la team debug des jeux. Tu as là des doutes sur les qualités de ton jeu? Tu as très peur d'avoir laissé passer quelques bugs? Invite Monsieur K. Monsieur K, marabout, désenvoûtage, désinfection de PC et trouvage de bugs dans les jeux. Celui-là, il est quand même grandiose. Et c'est pas vraiment un bug. C'est surtout l'utilisateur qui a joué au connard. Alors attends, oui, je peux bouger la crémaillère. Fais-le, amigo. Ah, mais je peux même plus la bouger. Ça frise le grandiose, là. Est-ce que je peux bouger celle-là de crémaillère, moi? Que dalle. Ah bon, on va s'arrêter là, les amis. Ami développeur, je suis désolé. Profondément désolé. C'est un incident volontaire de mon plein gré et... Faut pas laisser les gens faire ça si tu veux pas qu'on le fasse. Parce que là, c'est fabuleux. Donc, bah, je vais vous donner rendez-vous pour la suite dans The Beast Inside où je vais prendre tout mon temps pour trouver de nouveaux bugs et me coincer dans des situations improbables. En attendant, bah, je vous laisse avec les playlists habituelles, la généraliste, celle des shmups, le bouton d'abonnement, regardez-moi ça, il y a même le bouton pour enchaîner sur la suite de l'aventure. A bientôt, ciao.